À tous nos amis maliens, bienvenue à 245e anniversaire de l'indépendance américaine. L'année dernière, c'était incroyable. Au niveau international, aux États-Unis et aussi en Mali. Au niveau international, nous avons tous à faire face aux crises de COVID, qui a en effet bloqué l'économie mondiale, qui a créé une crise pas connue dans l'histoire du monde. Au niveau des États-Unis, on a vu les élections peut-être les plus turbulentes de notre histoire, avec une crise sanitaire et économique. Maintenant, aux États-Unis, nous voyons que le futur, c'est plus positif. Le premier acte du président Biden était de retourner à l'Organisation mondiale de santé, qui a eu les impacts directs sur la crise internationale et notre capacité d'aider les autres pays pendant cette crise. Et notre économie maintenant, c'est en train d'avancer avec l'impact positif pour tout le monde. Au niveau du Mali, bon, pendant cette année, j'ai travaillé avec trois présidents. Il y avait assez des défis sécuritaires, politiques, sociaux, économiques, sanitaires. Mais je pense que les États-Unis étaient un partenaire de préférence dans tous ces domaines. Particulièrement dans le secteur de santé, nous sommes très fiers que, même de long terme, nous avons créé, aidé le Mali d'avoir la capacité de faire face à la crise de COVID. Presque tous les techniciens maliens dans le secteur de santé étaient formés par les États-Unis. Vous avez l'un des meilleurs laboratoires médicaux d'Afrique, à cause d'une longue coopération avec des années de plus que 30 ans. Dans le secteur sécuritaire, même avec les sanctions qui étaient imposées après le mois d'août, nous avons continué d'aider les Maliens de créer un système de justice, un système où la sécurité, ce n'est pas seulement des soldats et des armes, mais aussi de justice, de capacité d'aider les populations d'avoir les services de défense et sécurité en faveur de la population. En termes économiques, nous continuons d'aider comme le premier partenaire de développement, premier partenaire d'assistance humanitaire, d'aider les Maliens d'être préparés. Au niveau politique, comme membre du comité de suivi d'Alger, du comité élargi pour la transition, je pense que nous avons joué un rôle positif dans le sens d'aider les Maliens de trouver un nouvel futur pour votre propre peuple. Nous espérons que l'année prochaine sera plus positive. Pas une année de défis, mais des opportunités. Et nous sommes là avec vous d'aider les Maliens, comme aux États-Unis, d'être plus conscient des bénéfices de votre propre démocratie, d'être plus engagé dans les décisions chaque jour des dirigeants de votre pays, comme aux États-Unis, de nos dirigeants. Nous espérons que l'année prochaine sera une année de succès, qu'éventuellement, de deux côtés de l'Atlantique, il y aura les pays qui sont plus forts, plus démocratiques, qui travaillent pour toute la population. Nous sommes vraiment vos partenaires dans cette affaire. Vivre les relations américo-maliennes. Merci beaucoup.